Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire deux tours des French Twins plus un bonus. Vous allez voir tout de suite. Allez. Alors, pour ce premier tour de magie, on va prendre un cendrier. Oui, ça, c'est un cendrier. Regardez bien. Hop là. Poser juste là. Là, vous verrez mieux peut-être. Voilà. On va prendre une cigarette dans mon boîtier cigarette. Voilà, on va en prendre une, n'importe laquelle. Celle-là, par exemple. On va la poser juste là. Voilà, tout le monde voit, impeccable. Maintenant, on va prendre un paquet de cartes. Ok, vous allez me dire stop. Top ici, plus loin ici, on va prendre, c'est l'as de pique. Ok, il n'y en a pas d'autres. Regardez, tac, le paquet on n'a plus besoin. Là, vous voyez bien l'as de pique. On va plier la carte comme ça. Voilà, hop, hop. On colle juste en haut. Encore une fois. Et on l'arrache. D'accord, ça, on va le poser là en attendant. Là, je vais marquer juste Pop Fabio. Juste comme ça, d'accord, et ça on va le garder juste là. Voilà, vous voyez, elle est là. Bon, on va le mettre là, c'est pas grave. Ça, le reste de la carte, on va le déchirer un petit bout. Voilà, hop, on va faire une boule, on va le mettre dans la main là. Je récupère juste mon briquet. En passant la flamme comme ça, tout est disparu. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste ça, il nous reste cigarette juste là. Voilà. Et si on la met à l'envers par hasard, je vais vous montrer ce que je vois. Ça, ça sera plus simple. Si on la mettait comme ça. Reste ça, et qu'avec ça, on brûle la cigarette. Qu'est-ce qui se passe là? Il reste ça, et là une carte apparaît. Est marrant, c'est que les deux bouts sont pareils. Et voilà, allez au prochain tour. Alors, pour les tours des French Twins, il nous faut un paquet de cartes. Alors, on prend toutes les cartes qu'il y a dedans. Ah, par contre on voit pas bien là. On va couper. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Allez-y. Stop ici. Le 10 de cœur. Ok. Ça vous va? Ok. Donc on va le remettre dans le paquet. On va mettre tout ça dans le paquet. Zibim bam boum. On va baisser un peu pour l'effet. Là, on va prendre un briquet. Hop, vous voyez la flamme. Impeccable. Et on va prendre une petite feuille comme ça. Ok. Et si on fait ça, hop,
cramé. Oh, ça a cramé. Attendez, on va refermer ça. Ça a cramé. Ça a cramé. Ah, c'est tout le paquet qui a cramé. C'est incroyable ça. Attendez, on va regarder. On va peut-être trouver. Ah oui, il y a une carte qui a cramé, effectivement. Et si on regarde cette carte, c'est bien évidemment le 10 de cœur. Voilà. J'espère que vous avez aimé la suite. Alors pour le bonus, déjà j'avais pas fini de vous montrer pour la cigarette au premier tour. C'est que le briquet, en plus de ça, c'est l'as de pique. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer avec un tour de cartes à fleurs. Plus rien. Alors, on va prendre par exemple deux premières cartes. On va prendre le 3 de pique et le 10 de pique. D'accord ? Vous allez me donner, je sais pas, 20, on va dire 20. Un nombre. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez vu, il y a plein de fleurs différentes. C'est ça qui est vraiment sympathique. On pose le 10 de pique et on le recouvre. Et là, vous allez me dire stop. Stop ici. Ok. Et on le recouvre. Et ce qui est marrant, c'est que si on commence à regarder, on prend les deux cartes qui suivent. D'accord. Ça et celle-là. Voilà, ça, posé juste là. Et si on regarde bien, ça correspond aux mêmes cartes. Et si on regarde encore mieux, c'est les mêmes fleurs. Malgré tout le paquet de fleurs différentes. Et si on regarde encore mieux, vous n'aurez pas pu choisir d'autres cartes parce qu'en fait, c'est que des 5 de cœur. Et voilà. Smoke weed every day.